Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, recraquage pour le portail Kitbou Intelligence. Il me le faut, j'aimerais bien tester le Kitbou Intelligence dans une team mono-intelligence avec des extrêmes. Parce que voilà, il fonctionne assez bien avec Buhan. Et puis, l'ANSP, entre guillemets, qu'on peut monter assez facilement, on va dire, avec les différents, enfin, avec le buff book qu'on drop très souvent sur ce portail. Donc, petit rappel, voilà le Neo God Tier qui nous intéresse. Ensuite, sur ce portail, il y a aussi Buhan, très très bon, il m'en faut deux exemplaires. Janemba, j'en ai plus vraiment besoin, voilà, même si je dirais pas non pour un dernier doublon. Golden Freezer, j'en aurais besoin encore de 3 pour me débloquer son arbre à 100%. Le Kitbou, pas intéressant. Les deux nukers, bon, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif. Le Buff Boo, malheureusement, on va en dropper encore pas mal. Mais bon, ça permet de monter l'aspect de ce Kitbou. On commence directement par la multi parce qu'on est chaud. Les gens qui verront cette vidéo sur YouTube, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour invoquer Jean-Michel Minou. Il me le faut, ce Kitbou. Pour l'instant, j'ai groppé tous les Neo God Tier. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Kitbou sera présent. Cimer, frère. Donc je suis en live devant encore 3500 personnes. 3500 personnes. Levez vos bras, les gars. Donnez-moi votre énergie. On commence par un troisième forme. Avec sa tête là, Magas. Trunks, poubelle. Bon. Tant que c'est des SR, je prends. Voilà. C'est toujours des points en plus chez Baba. Alors pour l'instant, la rotation chez Baba est à 30 minutes, donc faut en profiter. Faites un max. Enfin, faites un stock d'items. Parce qu'on aura bientôt le tournoi. Allez, c'est pas possible. Le tournoi arrive le 21 ou 23 décembre. Avril. Ah non, il me faut des SR pour monter l'aspect du Gignon. Attends, est-ce que ce serait une multi-cacarotte? Ah oui, on commence fort là. Ah ouais, une multi-cacarotte. Ah non. Ah si. Ok, ce Goku, je le prends. C'est un Goku que je peux utiliser pour monter l'aspect de mon Goku Genki Dama d'ailleurs. Je vais attendre un peu avant de le Dokkan Bon, la multi elle fait un peu mal, donc on va faire 10 singles maintenant. Alors j'ai le seum, j'ai droppé. En fait, j'ai droppé le C17 AJ alors que je le voulais pas vraiment. Ça tend sur la gauche, ça c'est bon signe ça. Le Goku SJ3, pareil, il est tombé alors que je m'attendais pas à l'avoir. Le kit bouge. J'aimerais bien l'avoir parce que j'ai de quoi le monter SP10 sans utiliser deux doublons et encore un buff bout. Je dois en avoir 5, 6, 7. J'ai de quoi monter SP10, un kit bout, voilà, c'est sûr. Après le buff bout, est-ce que ça vaut le coup de monter SP10? Bah, il met quand même des petites tartes. Bah faut attendre l'extrême Gotier Tech pour voir s'il va bien fonctionner avec. Ah, tout ça pour un Yamcha, t'es sérieux? Bon, la carte est belle, mais c'est pas ouf quoi. Donc le petit Kitbou intelligent, je ne dirais pas non. Après, j'avoue que je suis un peu tenté de pas trop forcer parce qu'il y a quand même le portail du Majin Vegeta qui est encore là. Et surtout, dans une dizaine de jours, on devrait fêter les 150 millions. Donc, nouveau portail, peut-être les tickets, peut-être un portail avec tous les Neo God Tier. Peut-être, j'espère surtout le retour du Dokkan Battlefield. Comme ça, je pourrais monter mon Dokkan, mon LR. Parce que voilà, je l'ai Dokkan en SSR, enfin en TUR. Mais après, il me manque 7 médailles du Dokkan Battlefield. Après, j'ai fait l'erreur d'acheter les Ginyu. J'ai acheté les doublons Ginyu direct en fait. J'ai claqué plusieurs dizaines de milliers de points. Alors que j'aurais pu acheter les médailles. J'aurais pu avoir 7 médailles. Ah, j'ai pas anticipé. Je le regrette parce que là, ça fait quand même 2 mois que le mode a disparu. Enfin, il est désactivé du coup. Alors, j'espère qu'ils vont le rendre soit plus simple, soit offrir plus de récompenses. Parce que j'avoue, se faire chier
pour récupérer quelques centaines de points. Alors qu'il t'en faut des milliers pour. Enfin, il faut 5000 points pour avoir une médaille. Ça, c'est un peu très très long, tu vois. Et en plus, le génie OLR, on peut pas monter sa SP gratuitement. Enfin, si, il faut faire des invocations amis, mais bon, le taux de drop du génie SR est quand même très très faible. Donc voilà, malheureusement, le génie OLR, il sera. Enfin, je pense que peu de gens vont essayer de le Dokkan. Moi, la priorité, c'est le Dokkan, le Guan LR. Ensuite, le Goku qui stun. Lui, je le garde. Je peux monter l'aspect du Goku Genkidama. 50% de chance, pardon, une fois que tu l'as éveillé en SSR. Trois capsules. Eh, j'avoue que j'ai droppé plus de choses sur le portail de taux drop x2. En même temps, c'est logique. Je crois que le taux drop est de 10%, si je dis pas de bêtises. Et 0,7% pour le kit bou. Alors lâche-moi au moins un petit Buan là. Lâche-moi quelque chose qui pourrait contribuer au développement de mes unités. Attends, pour l'instant, attends, on a droppé un SSR ou pas depuis tout à l'heure? Non, on a droppé 0 SSR. Eh, ça se passe comment là, Namco Bandai, tu me punis? Lilian, oui. Encore un buff bout. Attends, je crois qu'on a droppé aucun SSR. Hein. Ça fait bientôt 100 DS qu'on a rien droppé. Enfin, là, ça fait 90 DS là. Moi, je suis sûr qu'on a rien droppé. Hein. Alors, c'est peut-être parce que la fois où j'ai droppé trop des SSR d'un coup là, ah, ils m'ont puni. Parce que j'avoue que pour ma vidéo LR, j'ai droppé 5 SSR d'affilée. J'avoue que j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Ah non, mais c'est pas bon. C'est bon, le buff bout, on a compris là. J'avoue que je serais tenté de faire une multi sur le portail LR. Arc en troll. Ah non, on peut pas sortir de cette vidéo sans SSR. Là, c'est un bye bye ça. Clairement, c'est un bye bye. Non. C'est un R. Deux multi sans SSR quand même. Et on termine par la multi. Bon, je compte sur vous les gars. Mettez un maximum de pouces bleus lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Là, il me faut invoquer de la chance. Là. Il me faut Jean-Michel Minou pour ce soir. Comme ça, on passe à autre chose. Il me faut ce Néo Gauthier. Comme ça, voilà. On pourra faire des guides. Enfin, faire des showcases. Satan sur la droite, c'est pas ce que je préfère. Oh, mais on a un bye-bye. Un bye-bye. Un bye-bye. Non. Oh, mais non. Oh, la carotte. Oh, mais non. Oh, la carotte, non. Oh, putain, non. Ah, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de SSR. Ah, j'ai mal. Ah, je suis au fond. Je suis au fond. 3... Enfin, 150 Dragonstone. 0 SSR. Ah, mais le rip... Ça, c'est un rip de folie, ça. Ah, je suis au fond de ma vie, là. C'est pas possible. La roue a tourné. Bon, un Gigno qui pourra me servir au moins. Ah, le rip. Oh, la PLS, les gars. Ah, j'avoue, mais moi, je suis pas prêt. Ah, c'est rarement arrivé, mais là... Eh, là, j'avoue que j'ai mal. Ah, j'ai grave mal, là. Allez, tu sais quoi? On va reclaquer des Dragonstone. Et après, on arrête. On y retourne, les gars. On n'a pas que ça à faire. Donc, c'est reparti. Voilà, on a reclaqué un peu pour invoquer encore un petit peu. Là, je vais le dropper en single. Vous allez voir, je vais le dropper en single. Là, 150 Dragonstone. Walou, c'est pas possible. Là, on va dropper que des SSR. Là, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Là, le kit bou, il arrive. Hein. Le kit bou, il arrive là tout de suite. En fait, quand tu drops de la merde, il faut savoir que normalement, le jeu se régule. Entre guillemets. Et du coup, on devrait dropper des SSR. Oh! Oh yes! Eh, les gars! Eh, regardez-moi ça! Qu'est-ce que je vous avais dit? Le jeu se régule! Il a eu pitié de moi!
et j'ai mis trop d'argent pour rien, mais c'est pas grave. La puissance, les gars, la puissance. Et c'est grâce à la musique, hein. On est d'accord ou pas? Hein, chala et chala, direct, on drop ce qu'il faut. Ah là là, ça c'est le feu, les gars. Franchement, je vous l'ai dit, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà, la TTF, elle met un genou à terre, mais elle se relève toujours. Voilà. Le jeu m'a mis 3 claques. Il m'a dit, tiens, pas de SSR, tiens. Mais je suis revenu, je suis revenu. Et juste avec la single, je vous l'avais dit, là je vais le dropper, ce bâtard. Comme, en fait, je commence à comprendre le jeu, hein. Quand tu droppes de la merde, il faut savoir que le jeu finit par se réguler. Donc tu peux pas dropper que de la merde, hein. À un moment, tu vas dropper plus souvent après. Et donc voilà, on a tous les Neo God Tier. Continuons sur cette lancée. Bah du coup on va garder les Dragonstone. On va garder nos Dragonstone pour un prochain craquage sur le Majin Vegeta. Parce qu'on le veut, hein, on le veut, on est déterminé, on a peur de rien, nous, hein, on drop le LR Gohan comme ça sans crier gare, en caleçon. Donc là je suis habillé, donc j'ai plus de chance au moment de le dropper. Donc voilà, c'est le feu. J'ai de quoi le Spédis, c'est magnifique. On va mettre le cadenas, eh oui. Prenons les bons réflexes, tac. Ouvre-toi, voilà. Le petit cadenas qui fait plaisir, et hop là. Eh, c'est pas le feu, les gars, 2000 devant 3400 personnes, merci beaucoup. Voilà, la vidéo s'arrête ici, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo d'invocation. Grâce à la petite single du désespoir, on a fini par le dropper, ce Neo God Tier. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo. Pour me soutenir comme d'habitude, le petit pouce bleu. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique, le lien se trouve dans la description. Si tu veux voir mes précédentes vidéos invocation, clique sur la playlist de gauche. Sinon, j'ai aussi une playlist consacrée à tous mes guides. Il te suffit de cliquer sur la playlist de droite. Alors, petite nouveauté, ces liens sont désormais cliquables, même sur mobile.